Élimination confirmée. Yep les gens, c'est Dacox, comment allez-vous? Perso, moi je vais super bien et aujourd'hui je vous présente, on va dire, un massacre à la FAL avec viseur réflexe sans secteur de tir. Parce que je trouve que la FAL, secteur de tir, je trouve qu'elle est limite abusée. C'est ouais, elle a aucun recul, je trouve ça un ennemi en abusé. Et même, en fait, moi je trouve. En fait, je me fie, on va dire, à la compétition pour dire les armes cheatées, les atouts abusés, pour quelle arme. Donc, si vous n'avez pas suivi les news, je vous le dis. La FAL avec sélecteur de tir et SMR avec sélecteur de tir a été banni. Je lance une grenade. Pas l'arme, mais je veux dire juste l'atout sélecteur de tir. Bah, tout simplement, apparemment, ça a été trouvé que c'était un petit peu cheaté. Que tout le monde voit ça et du coup ça va dire ça pousse un petit peu pas le multi mais la compétition. C'est comme sur MW3 avec l'actif 95 ou c'était l'actif 95 ou bah tout simplement allez tout le monde joue avec et du coup ils l'ont banni parce que il a trouvé un petit peu abusé. Alors on va tout de suite vous déclare ma classe. Alors c'est avec la FAL viseur réflexe, poids léger, détermination, robustesse et dextérité. Voilà, j'avais aussi en arme secondaire le B23R. J'étais en compagnie de AbdelX18 ou Abdel pour les intimes. Et dans cette partie, en fait, le but premier est que j'aide à Abdel à faire une bonne partie en balançant les micro-stations orbitales. Que moi je c'est beau le drone mais je veux dire sans fantôme on peut pas les voir et ça me saoule. Alors là vous allez voir que je peux pas bouger, c'est normal parce que là je parlais avec ma mère. Je vais vite reprendre après mais je vais être à moi. Voilà, là je reprenais mais je t'avais une main, je tenais la manette. Voilà, je fais le petit kill gentiment. Alors, dans le but premier de cette vidéo, en fait, c'est tout simplement la deuxième partie du débat mitraille vs fusil d'assaut. Avant la première vidéo, je parlais quelle mitraille est capable de rivaliser avec le fusil d'assaut. Du coup, rivaliser avec le fusil d'assaut, ça veut dire au niveau du tir de loin. Là, par contre, ça va être au niveau des fusils d'assaut, quel fusil d'assaut est capable de rivaliser au corps à corps. Alors, moi, je vais dire que. Bon, moi, je vais vous dire la liste. La T25, la M8A1, la FAL, sans sélecteur de tir, bien sûr, la M21 et la N94, la AN94 est capable de rivaliser avec une traite. Pourquoi? Alors, simplement, je vais commencer par la T25. La T25 a simplement des très gros dégâts. Une assez haute cadence de tir. Alors, pour moi là ça me suffit. Là, quand je voyais les stages, je me suis dit elle doit être bonne. Et oui, elle est bien bonne. J'ai fait un autre massacre après parce que ça c'est ma toute première. C'était la première partie de la journée. Et il faut dire que bah j'ai fait une partie que de massacre. Mon choix a bien augmenté. Avant il était à 3,41. Maintenant il a 3,69. Bon. C'est vrai que je veux dire, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la M8, pourquoi la M8? Parce que tout simplement, en fait, une rafale généralement au corps à corps suffit pour tuer l'ennemi. Parce que j'ai mis la M8 en or et j'ai souvent remarqué que une rafale, on va dire à coup de portée, ou même une rafale à moyenne portée dans le haut du torse, dans le haut du corps, on va dire, et bah ça one shoté direct. La FAL, pourquoi? Bah, tout simplement, vous mettez 2-3 balles, c'est fini. Vous appuyez 2-3 fois rapidement sur la gâchette et c'est fini. Bien sûr, je vous parle sans sélecteur de tir parce que je trouve que cet accessoire est un petit peu abusé. Et ma rec, dans une des prochaines mises à jour de Treyarch,
Et bah tout simplement ils vont augmenter le recul avec sélecteur de tir. Hamtar 21 parce que tout simplement elle a peut-être pas énormément de dégâts, mais elle a une énorme cadence de tir. Une énorme cadence de tir. Elle est presque aussi grande que la scorpion. Qui est, on va dire, que je vous le reprécise, la scorpion qui est l'arme, la mitraillette la plus, avec la cadence de tir la plus haute. Alors maintenant la N94, elle a pas une cadence de tir très haute, mais elle a des dégâts hyper menace éliminée. Alors je m'explique, simplement j'ai à la à tir, on va dire, pendant que une MSMC tire 5 balles, elle en tire que 2. Elle en tire que 2. Pourquoi? Bah parce que tout simplement sa fusée d'assaut c'est fait pour tirer loin. Mais je veux dire, j'ai déjà eu fait l'expérience où une mitraillette me tire déjà dans le dos. Moi je me retourne et j'arrive à la tuer. À tuer la personne qui m'a déjà tiré dessus. Alors on va me dire c'est un coup de peau, c'est rien, hein, mais non, je trouve que c'est tout simplement l'arme qui est très très puissante. Après là, dans les armes pour moi qui ne peuvent pas rivaliser avec une traite, c'est la SMR. La cadence de tir est déjà plus faible que la FAL. Elle a des dégâts beaucoup plus faibles aussi que la FAL. Alors déjà, sa cadence, c'est un petit peu bon, déjà juste avec la cadence de tir, je me suis dit peut-être pas marché, mais regardez les dégâts, et les dégâts aussi sont puc. La SWAT aussi, alors la SWAT simplement elle est très très bien, mais j'ai remarqué que même de près, pas comme la M8, et bah tout simplement elle mettait beaucoup de hit markers, et c'est ça qui est un petit peu saoulant. Après il y a deux armes, deux fusils d'assaut que j'hésite à mettre, donc je les ai mis entre les deux. Au passage de l'action, c'est la M27 et la Scarache. La Scarache elle a une cadence de tir mais elle est très très faible. Je pense que c'est l'une des cadences de tir les plus faibles de avec juste avant la SMR et la FAL. C'est la elle a une cadence de tir très très faible, mais elle a des dégâts très très puissants. Des fois j'arrive pas à rivaliser avec les mitraillettes, des fois j'y arrive, je sais pas trop. Et la M27 c'est pareil, de loin elle est très très puissante, mais de près des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fini. Donc vous avez remarqué que là j'ai un petit peu défoncé les ennemis. J'ai débloqué deux fois les chiens, qu'une fois. Non, j'ai débloqué qu'une fois les chiens pour l'instant. Les deuxièmes chiens vont arriver. Désolé pour le petit fail. Je vous dis à peu près ce qu'il est arrivé plus tard. Élimination confirmée. C'est pas grave. Donc dans la prochaine vidéo, ça va être un live avec Overkill. Je vous avais expliqué sur une de mes dernières vidéos. Et bah, Overkill, c'est tout simplement un youtubeur pareil. Mais lui il fait beaucoup de il est fan on va dire de MMORPG. Moi pas trop, après je veux dire c'est ses goûts. Mais aussi c'est un... on était dans un même team de Battlefield. Du coup on se connaît très bien, on se débrouille tous les deux à Battlefield. Après je veux dire tout va bien. Voilà. Vous avez vu que j'ai débloqué deux fois les chiens dans la partie. Une petite fois de fille de Warthog, chien Fal. Regardez toutes les médailles que je fais, c'est magnifique. Normalement, comme j'ai pas encore débloqué le groupe de chasse, c'est pas. Je vais avec le Warthog, mais normalement je ne veux pas avec le Warthog. Malgré quand même, il a fait un massacre le Warthog. Faut le dire, il a fait un gros massacre. Vous avez vu que, en fait, c'était la toute première fois que je débloquais les chiens. Bah du moins, c'est pas trop la première fois, mais je veux dire, depuis que je me suis fait reset, c'est la première fois. Voilà, là vous avez maintenant actuellement je suis prestige 2 niveau 21. J'avais 3,69 de ratio. Bon bref, on a rien à foutre des stats. Vous allez voir là le petit campeur, on va dire. Grenade paralysante.
pas vraiment un grand-père, il dirait que tu lâches et tout. Mais par contre, la Betty, il était dans le coin, mesdames et messieurs. Faut dire. C'est des fois, c'est un petit peu dégueulasse. Bref, je vous laisse. Je dis salut à toutes les deux, ces mecs. C'était Dacox. Menace éliminée. Un de moins. Drone de brouillage ennemi activé. Opération réussie, bien joué les gars.